elegant weapon for a more civilized age. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler d'un sujet tout à fait original puisque l'on va parler sabre laser et on est là pour la première, l'exclu mondial de la présentation du nouveau sabre laser du site sabregalactique.com. J'en parle depuis un petit moment, ça y est, c'est le jour, mais tout de suite, clip promotionnel. Voilà, il s'agit du nouveau sabre laser fait en hommage au Mandalorien pour la sortie de la saison 3 qui arrive tout bientôt. Et le site Sabre Galactique m'a fait l'immense honneur de m'envoyer ce sabre laser que l'on va ouvrir devant vos yeux ébahis. Voilà, je vais le découvrir en même temps que vous. Voilà, pour regarder un petit peu à quoi il ressemble en vrai dans les mains. Le poids, les finitions. Et puis, évidemment, on va allumer ce sabre puisque on a la possibilité avec ce sabre soit de le mettre en élément décoratif, soit de faire des petits combats avec. Alors, pour les adultes, mettez pas ça dans les mains d'un enfant. Sinon on va vous le flinguer, mais voilà, en tout cas je suis très content, je remercie une première fois, je le ferai plusieurs fois, le site Sabre Galactique. Et je vais quand même vous préciser avant de rentrer dans l'unboxing que oui, cette vidéo donc est sponsorisée et vous avez la possibilité de précommander ces sabres spécifiquement pendant une semaine à partir d'aujourd'hui pour l'avoir un petit peu moins cher. Vous aurez 10% de réduction plus 10% de réduction en utilisant le code PEPITO10, code qui est valable n'importe quand, aujourd'hui, dans une semaine, dans un an, dans 10 ans si le site existe encore, et vous aurez systématiquement une réduction sur vos achats, et puis moi je toucherai une petite commission, ce qui permet d'aider la chaîne après proposer de plus en plus de contenu. Donc voilà, vous savez tout et maintenant on se lance. Attention Marty, c'est parti. Du coup, ça y est, c'est le grand moment de l'unboxing. Alors il y a sûrement des faux raccords de type capillaire, voire de type BD1 juste derrière, qui était peut-être fini dans la partie d'avant et qui là n'est pas fini parce que je suis en train de construire. Mais en tout cas, on l'a, il est là, il est dans la boîte et on va voir en direct ce qu'on a. Je suis tout excité, il faut bien l'avouer. C'est mon premier partenariat, alors ça fait un petit peu quelque chose quand même, hein, voilà. En tout cas, il est là, il est dedans. Et en plus, je n'avais rien fait en dehors du petit accro réglementaire de type livreur énervé. On était plutôt pas mal. La boîte est sympa, c'est lourd. En même temps, je l'ai porté avant, donc je savais, mais là je me rends compte un petit peu. Une petite boîte, voilà, qualité. Écoutez, qualité somme toute qualitative. Voilà, très intéressant de dire ça. Mais si je me casse les deux, ça marche. Sabre Galactique, vous voyez. J'ouvre ça en vous montrant en même temps. Vous allez voir, et moi même pas. Alors, attention. Ouh là 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 là, c'est de toute beauté. Et il est là, il est là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah oui, je dis. On va éviter de faire tomber. Regardez-moi ceci. Hop. Magnifique finition. Ah, c'est bon, il y a le petit bouton. Ici, on a le numéro. Po. 16 sur 10 000. Si c'est pas beau, ça. Écoutez, c'est très beau. L'idée, c'est, voilà, quand vous le tenez à l'envers, voilà, ça fait casque de Mandalorien. Comme ça, c'est l'hommage. L'hommage Mandalorien, donc comme on disait pour la sortie de l'épisode de la saison 3 qui va tout bientôt arriver. C'est les 3 ans aussi du site Sabre Galactique, donc le chiffre 3 est partout, sauf sur mon sabre, c'est le chiffre 16. Mais voilà, en tout cas, sublime, c'est vraiment... J'avais regardé un petit peu, je m'étais renseigné, et la qualité avait l'air d'être au rendez-vous quand même assez régulièrement, mais c'est vrai que quand on voit en image... Voilà, mais de l'avoir en vrai, il y a le poids un petit peu, voilà, il est un petit peu lourd, c'est vraiment pas, ça fait pas bout de plastique. Mon fils, il a un sabre Kylo Ren. Je devrais vous le montrer pour comparaison. Si
là, vraiment, vous avez quelque chose d'un petit peu lourd. Je sais pas, peut-être que je vous indiquerai le poids. Peut-être que j'aurais été le peser, peut-être que j'aurais trouvé l'info. Mais j'aime bien peser les choses. Il sera du plus bel effet dans le décor, à n'en pas douter. Et je suis même embêté de l'avoir au fond dans le décor, tellement il est beau. J'aimerais qu'il soit plus présent. Mais en même temps, j'ai pas non plus me l'accrocher à l'oreille, là, comme vous mettre en pendentif. En tout cas, on va le monter, on va regarder ça. Une fois qu'il y a le sable, je vous ferai pas l'affront de faire une démonstration de sabre laser, même si ça sert à ça, j'ai dit, éléments décoratifs, pièces de collection, ou voilà, pour faire un petit peu de la... Mais pour ceux qui font, je me souviens plus comment s'appelle ce sport, mais voilà, il y a des gens qui font comme ça, là, des combats de sabre laser, et des fédérations, ça fait partie de la fédération d'escrime, ça. Donc, voilà, ça peut tout à fait servir pour ça. Je vais quand même prendre le mode d'emploi avant de faire des conneries, moi. À quoi elles servent, les bagues? Il y a un truc sur les bagues. Merde. Putain, j'ai fait tomber des morceaux. J'ai l'impression qu'il y a eu deux glings et j'ai ramassé qu'un truc. Écoutez, à un moment, je vais marcher dessus, je vais crier « Aïe !» et je saurai qu'il est là. Donc pendant que je monte, je vous rappelle, hein, la numérotation. Donc de 1 à 10 000. Si vous avez donc les numéros, il y a certains numéros qui sont des sortes de numéros bonus, des numéros spéciaux. Alors voilà, donc il y a 10 sabres spéciaux, c'est les numéros 1000, 2000, 3000, etc. jusqu'à 9000 et 10 000. Donc après les 10 000, il n'y aura plus de numérotation. En tout cas, ce numéro précis-là, vous aurez une version gold, une version dorée. Donc au niveau du montage, hein, je papote, mais ça m'a l'air assez simple. J'ai remballé l'emballage. Là, ici, on insère tout bêtement ça là. Et on a les petites fameuses vis, hein, que j'ai mis par terre. Bah, écoutez, vous avez juste à les visser ici. Je pense que si vous avez déjà monté un meuble IKEA dans votre vie, ça devrait être à votre portée. En plus, on a même la petite clé Allen qui fournit. I see you have constructed a new lightsaber. Bon, donc on y est, parlons un petit peu, continuons. Vous avez la possibilité, je regardais aussi, sur le site, quand vous achetez un sabre, d'acheter, et même si vous achetez deux sabres sur tout identique, vous avez la possibilité, et ça vous est offert quand vous en achetez deux, d'avoir un lien entre deux sabres pour vous faire un double sabre, même si le sabre au départ n'était pas prévu pour être un double. Et ben, dès que vous achetez deux sabres, on vous offre le lien entre les deux et vous avez un double sabre. Si ça, c'est pas classe. Donc alors, pour ce qui est des précommandes, ça va être là, à partir d'aujourd'hui, date de sortie du sab et de la vidéo, et vous avez une semaine pour faire les précommandes, et donc vous l'aurez moins cher, sans même parler du petit bonus, en passant par ma vidéo évidemment, dont je parlerai tout à l'heure. Et bien vous avez déjà le sab à 160€ au lieu de 190, et vous cumulez la petite réduction en passant par mon lien qui vous enlève 10% de réduction. Vous voyez les choses comme vous voulez. En tout cas, voilà, je vais un peu me reculer pour qu'on voit le sabre en entier. Il est gigantesque. Je ne suis pas très grand, hein, comme vous aurez pu remarquer, mais il est vraiment monstrueux. Oh, je l'ai allumé, il fallait rester appuyé longtemps. Ok. Alors, donc quand on a... Je prends la petite fiche, hein, parce que moi je débute. Ok, j'étais pas prêt. Ok, petite faille spatio-temporelle, tranquillement, parce que... Quand j'ai fait l'unboxing, clairement j'étais un gros noob avec le sabre et je trifouille un peu les boutons dans tous les sens. Donc on va faire un truc un petit peu plus synthétique. Et en plus, je m'étais reculé, il y avait le micro qui était au milieu, vous avez dû voir sur quelques scènes au départ. Et le problème, c'est qu'il faisait le focus sur le micro, donc on ne me voyait pas bien. Donc on va essayer de refaire un petit peu les choses correctement. Et je vous invite évidemment en commentaire à trouver tous les faux raccords qui se cachent dans cette vidéo. Bon courage à vous. Donc le sabre, c'est assez simple, hein. Vous démarrez, il est éteint, vous appuyez, il est allumé. Et là, vous avez différents modes, soit quand il est éteint, soit quand il est allumé. Je ne vais pas vous faire un tuto, vous regarderez un petit peu le mode d'emploi, mais un peu pour vous faire comprendre ce qu'on peut faire. On peut changer le son en fait, du sabre en fonction de qui l'allume. Donc quand vous êtes en mode éteint, vous avez la possibilité de rester appuyé 2 secondes. Et voilà. Et là, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais il y a General Kenobi. Et donc là, si vous allez l'allumer, ça va être avec le son des sabres du Général Grievous. Vous avez Anakin Skywalker, vous avez le vieux Ben, vous avez Dark Vador, vous avez évidemment Kylo Ren avec le petit crépitement. Vous avez même en fait des personnages, je crois que ça doit être, comment s'appelle-t-il, Watu à un moment. Et en fait, il y a des bruits de potes derrière. Enfin, c'est assez rigolo, vous pouvez faire différentes choses. Vous pouvez mettre la musique, baisser le son, augmenter le son, etc. Mais une fois que vous avez fait ce changement, vous appuyez tout simplement...
sur le sabre et il s'allume, c'est magnifique. Je pense que je mettrai d'autres footage quand je m'amuse un petit peu dans le côté sombre pour que vous voyez ça. Et une fois qu'il est allumé, bah écoutez, vous avez la possibilité en appuyant deux fois sur le truc, bah, de changer la couleur pour mettre celle qui vous plaît, les gentils, les méchants, les bleus. Vous avez un magnifique violet de Windu que vous avez ici, que j'apprécie particulièrement. Donc à partir du moment où vous avez choisi votre couleur, vous appuyez une fois, ça sélectionne et c'est parti, il faut vous amuser. Donc premier mode, le mode je me fais tirer dessus et je pars les coups. Donc c'est assez bien fait, vous avez vu quand il bouge, j'essaie de pas tout casser, mais quand il bouge vous avez les mouvements qui sont faits, enfin voilà, comme les bruits habituels de sabre laser. Donc ça c'est plutôt sympa. Et vous avez une sorte de petit mode duel. Voilà, donc le mode duel, attention aux crises d'épilepsie, mais en gros vous restez appuyé une seconde dessus et ça fait quand les deux combattants sont comme ça, sabre contre sabre, et vous appuyez une fois et vous arrêtez ça. C'est du plus bel effet si vous vous en servez justement pour un petit peu du cosplay ou des combats. Mais voilà un petit peu ce que ça donne en réel. Moi je trouve ça plutôt sympa, je vais mettre comme ça, ça peut être cool. Le son, il y a moyen de le mettre fort ou un peu moins fort. Et voilà. Place aux magnifiques démonstrations que j'ai pu faire lors de la première vidéo. Lightsabers will make a fine addition to my collection. En tout cas, je vais remercier très très chaleureusement Sabre Galactique et vous rappeler que si vous voulez le précommander, bah écoutez, vous avez une semaine à partir d'aujourd'hui. N'oubliez pas le code promo, ça vous aide vous, ça m'aide moi, évidemment. Donc merci pour ce généreux cadeau. Première fois que je teste un objet et qu'on m'offre un événement promotionnel. C'était très gratifiant et très cool d'avoir un joli sabre à mettre dans le décor. Et n'empêche que, ma femme, elle a vu un petit peu le catalogue, elle a vu le sabre de Kylo Ren, et c'est pas impossible qu'il y ait des craquantes pour Noël, on verra un petit peu. En tout cas, les sabres sont vraiment, vraiment très jolis, et ça serait dommage de pas profiter de la précommande qui vous permet donc d'avoir le sabre à 145€ au lieu de 190€ entre l'offre de la première semaine et mon code, donc Pépito10, il y a juste à taper dans le panier, c'est extrêmement simple, vous savez utiliser un code promo quand même, ça fait un moment. Et sachez que ce code promo est utilisable à vie sur tous les produits, vous n'êtes pas obligé de commander explicitement celui-là, c'est n'importe lequel, si vous le faites maintenant, dans 2 mois, dans un an, ça sera toujours valable et ça me soutiendra un petit peu dans la chaîne. Et donc si vous appréciez le contenu que je fais, c'est un moyen aussi de me soutenir, ça fait toujours grandement plaisir. Sachez que le site Sabre Galactique est très sérieux au niveau de l'envoi et des délais. Il m'avait dit que vers le 25 ça serait prêt. Écoutez, dès que la commande a été prête, 3 jours après il était à la maison, donc il s'engage à Noël, il sera sous le sapin, vous n'avez pas à vous en faire pour ça, ça fonctionnera parfaitement bien. Et voilà, dernier saut temporel, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager à vos amis si vous connaissez des gens intéressés par les sabres laser, partagez à la fois la vidéo et puis aussi le petit code promo. Voilà, merci à tous et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos de Star Wars, l'Héros de la Galaxie. Ciao. J'ai pété le sable du fiston. C'est vraiment de la merde.